Abish Amdaradir, chef lieu de la province du Wadaï, ville cosmopolite, connue par son hospitalité légendaire, ville accueillante et capitale de l'Est, est située à l'est du pays et frontalière avec le Soudan, pays voisin. Carrefour de civilisation et centre principal de commerce, son économie repose essentiellement sur l'élevage, l'artisanat et l'agriculture, plus particulièrement la culture maraîchère. La culture d'oignon et d'ail constitue le poumon de l'économie de la province du Wadaï. L'oignon et l'ail d'Abéché sont connus généralement à cause de leur qualité et spécificité à travers le Tchad profond et même dans le pays de l'Afrique centrale, notamment la RCA, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Le mois d'avril et mai sont considérés comme les mois de récolte de l'oignon et d'ail. Pendant cette période, les paysans convoient leurs marchandises à dos d'âne ou acheminées par véhicule à Abéché pour sa commercialisation. Pour le cultivateur, l'insuffisance de matériel moderne de production et les ouvrages de rétention d'eau dans la zone peuvent engendrer une baisse progressive de la production de l'oignon et d'ail. Le moyen nous manque pour produire plus. Je travaille avec les anciens outils et la production va jusqu'à 30 à 50 sacs. Si j'ai eu des matériels nécessaires, la production va accroître. Mon souhait est que le gouvernement vienne en appui en nous dotant des moyens matériels afin de permettre de produire plus. L'activité prend suffisamment de temps, du semis à la récolte, à peu près 5 à 6 mois. Une fois produits, les oignons et l'ail sont acheminés à l'intérieur du pays et même dans quelques pays africains, nous explique le commerçant d'oignons et d'ail. La conservation de ces produits pose un véritable problème. Il nous manque des magasins de stockage. Le manque des magasins nous amène à couvrir nos marchandises avec du plastique. L'oignon d'Abéché est bon, puisque le cultivateur n'utilise pas les engrais chimiques, mais le magasin nous manque pour bien conserver. La commercialisation de ces produits rapporte des bénéfices aux commerçants et crée également un emploi aux jeunes, aux enfants et aux femmes. L'oignon, ça fait l'une des activités, surtout des cultures maraîchères, au niveau de la localité. Et ça crée quand même un emploi très bénéfique à la population et c'est très rentable même par rapport à l'économie parce qu'en milieu rural, la plupart des femmes et d'autres producteurs là ont augmenté ces dernières années là la production de l'oignon jusqu'où les gens essaient même de les exporter ailleurs. Et nous avons la brasserie du Tchad qui est l'une des plus grandes clientes même de l'achat même de l'oignon de la ville d'Abéché. Et ça fait la rentabilité et ça joue même dans l'économie de la localité.
activité est rentable et nécessite un appui du gouvernement et des partenaires pour mieux développer, renchérir une vieille commerçante. L'oignon d'abeche est meilleur. Ces produits sont utilisés dans le ménage et dans les cérémonies. Les coraux d'oignon vont jusqu'à un mois et voire même plus. En tant que commerçante, je demande aux ONG et aux partenaires au développement d'orienter leur action dans ces domaines pour son développement. Les transporteurs également tirent profit de cette activité. Cependant, ils dénoncent l'impraticabilité des routes qui ne facilitent pas les échanges commerciaux et la tracasserie de barrières de contrôle. Je transporte à Abéché, l'oignon, l'ail et les mille pénicillaires des autres localités, notamment des cantons Tourané, d'Asunga et d'Abdi. On loue le véhicule gros porteur à 350 000 francs CFA et le véhicule 11-13 à 200 000 francs CFA pendant la saison sèche. Mais au moment de la saison pluvieuse, le prix change. Le gros porteur, le prix varie jusqu'à 600 000 francs CFA et les autres véhicules de 300 à 350 000 francs CFA. Et parfois, le wadi nous empêche la traversée pendant 2 à 3 jours. Et ce n'est pas facile de faire un bénéfice. Nous, transporteurs douaniers et d'ail, nous sommes confrontés à de multiples problèmes, à savoir la tracasserie routière, où à chaque poste de contrôle, prennent de l'argent, parfois 5000 francs et voire même plus. À cela s'ajoute l'impraticabilité des routes qui ne facilite pas aux activités de transport interurbain. L'association de commerçants d'oignons et d'ail entend œuvrer pour booster l'économie de la province, mais les conditions ne sont pas réunies. Cependant, l'association sollicite l'appui du gouvernement et des partenaires en construisant des magasins de stockage des produits pour mieux sécuriser leurs marchandises et d'éviter que ces produits deviennent pourris. Non encadrement des cultivateurs et le manque de matériel ne contribuent pas au développement de ces secteurs. C'est pourquoi nous avons créé une association pour défendre l'intérêt de ces derniers. Notre association vise comme objectif la redynamisation de ces secteurs pour répondre aux besoins des Tchadiens en général et ceux de l'extérieur en particulier. La cuisine traditionnelle tchadienne, quant à elle, utilise les oignons et l'ail dans presque tout le plat à cause de leur valeur nutritive, comme en témoignent quelques femmes ménagères. L'oignon et l'ail sont importants dans la préparation des sauces. L'oignon d'abeché est beaucoup apprécié par rapport à son efficacité. Il est utilisé dans tous les plats.
nous sommes déjà habitués à cuisiner avec ces deux produits et qui constituent même des éléments nécessaires pour la sauce. J'assaisonne ma sauce avec de l'oignon. Parce que l'oignon a beaucoup de vertus. Ça donne aussi un bon goût dans la sauce. L'oignon d'abeche a beaucoup de vertus. C'est des oignons où ils labourent sans produits chimiques. C'est les oignons qui sont vraiment préférés. Et c'est l'oignon piquant. Et quand on trouve l'oignon piquant, c'est un très bon oignon. C'est pourquoi l'oignon d'abeche aussi est beaucoup sollicité. L'oignon d'abeche est beaucoup sollicité au Togo par sa qualité naturelle. L'oignon est également utilisé dans le lieu des grillades. Ce produit est considéré comme un antibiotique, justifie certains clients. Pour mes raisons propres, quand je me sens vraiment enrhumé, je viens là, je mange la viande avec beaucoup d'oignons. Et ça a des vertus curatives, je prends comme antibiotique. Et ça me donne également le bon goût. Quand on mange la viande avec de l'oignon, ça neutralise ces éléments nocifs qui se trouvent dans la viande, qui nous créent beaucoup de maladies. Donc, c'est pourquoi moi, je mange toujours la viande grillée avec beaucoup d'oignons, et plus précisément, oignons d'abeche. Nous associons la viande avec l'oignon. C'est ce qu'il a et ça donne un peu le goût à manger de la viande. C'est un aliment très préféré dans la localité. Et c'est dans toute la ville, là, quand vous passez dans des lieux de grillade, là, les gens associent la viande avec l'oignon. Développer la culture des contre-saisons, c'est contribuer à l'économie nationale d'une part et d'autre part permet d'assurer une autosuffisance alimentaire de Tchadiens en général et ceux du monde rural en particulier. Le sol du Wadaï est riche et son exploitation dépend de la volonté de tous. Ainsi, le gouvernement et ses partenaires doivent conjuguer d'efforts pour répondre aux sollicitations des producteurs en vue d'une meilleure production.